Need for Speed Most Wanted, c'est le remake, le reboot du Need for Speed Most Wanted qui est sorti il y a quelques années. Cette fois-ci, c'est Criterion qui s'en occupe, le créateur de la série Burnout. Et forcément, ça va se sentir dans le gameplay, ça va sortir dans ce qu'on aura à faire dans le jeu. On a eu l'occasion d'y jouer une demi-douzaine d'heures, à la fois au solo et au multi. Ce Need for Speed Most Wanted s'inspire forcément de l'original, avec une ville ouverte, des courses avec la police, etc. Mais aussi et surtout de Burnout Paradise, qui est le dernier vrai Burnout développé par Criterion. C'est-à-dire qu'on a accès vraiment à une ville complètement ouverte, avec des missions, des objectifs un peu partout. À chaque carrefour, on peut décider de se lancer dans une course, de lancer dans des concours de vitesse, etc. Mais tout cela se fait dans une ville ouverte. C'est-à-dire que contrairement au Most Wanted original, le départ d'une course, même une course qui est censée faire avancer un peu, pas l'histoire, mais qui est censée faire avancer le scénario, se déroule dans une ville avec sa circulation, avec ses imprévus. Et on peut évidemment choisir le chemin qu'on veut emprunter. Il y a du boost, enfin voilà, les joueurs de Burnout Paradise sont pas surpris, sont même ravis de retrouver un gameplay relativement similaire. Mais les joueurs de Need for Speed aussi auront des choses à voir avec les courses avec la police, on l'a dit. C'est-à-dire que quand on commet beaucoup d'infractions, quand on va trop vite, quand on roule en sens inverse, quand on percute des voitures devant la police, et ben ça déclenche une course-poursuite. Il y a plusieurs échelons. Chaque échelon, un peu à la GTA, va augmenter les forces de police, il va y avoir des barrages sur la route, il va y avoir des hearse sur la route également. Et ça va forcément, ça donne une tension supplémentaire aux courses ou à nos balades dans la ville. C'est assez plaisant, surtout que la police est très efficace, très coriace. Et on a un peu du mal parfois à faire redescendre la tension. Il y a beaucoup de choses à faire dans le jeu. Première étape, forcément, aller chercher des voitures. Alors, on commence le jeu avec une Porsche 911 de base, serait-on tenté de dire. Et on naviguera à travers la ville pour découvrir des nouveaux modèles, des Aston Martin, des Jaguar, un peu de tout. Que des voitures de luxe, forcément, des voitures agréables à conduire. Et chacune de ces voitures aura une liste de courses à réaliser. Et avec ces courses, on gagnera des points qui alimenteront un compteur général qui permettront de débloquer d'autres choses. Et également des upgrades, c'est-à-dire enfin c'est un peu à la Call of Duty, des perks. Pour chaque course gagnée par exemple, on pourra gagner des meilleurs pneus, un meilleur châssis, etc. Et à force, notre voiture progressera, ça deviendra de plus en plus efficace. Et en fait tout le jeu est un peu sur ce modèle-là, on a toujours des choses à faire. Il y a toujours des petits bonus à aller récupérer, des points à gagner, que ça soit en allant plus vite que les autres sur un radar automatique, en remportant des courses bien sûr, en battant les temps de ses amis. Le jeu propose propose ce qu'ils appellent Autolog. Donc là c'est la version 2 du système qu'on connaît déjà et qui en fait permet pour chacune des actions qu'on peut faire, c'est-à-dire par exemple battre la vitesse sur un radar automatique, et ben on peut battre les temps de ses amis, les vitesses de ses amis plus exactement, on peut battre les temps de ses amis dans les courses, on peut battre le nombre de panneaux détruits par ses amis, on peut battre par exemple le nombre de voitures trouvées dans la ville, et tout ça fait des points bonus, enfin d'une part fait des points bonus, et d'autre part rajoute un challenge supplémentaire, puisqu'on peut se mesurer rapidement à ses amis, et ça a l'air tout bête comme ça, mais c'est vrai que ça fonctionne assez bien, c'est un système qui nous pousse à toujours essayer de battre la plus grande vitesse, à essayer de battre le meilleur temps. Et c'est assez agréable, c'est assez bien intégré. Et voilà, ça marche tout simplement.
En plus du mode solo qui offre un monde ouvert et le système autolog qui permet de comparer les scores de ses amis, etc. Le jeu propose un mode multi à part entière, et qui est un peu à part d'ailleurs, dans la même ville, avec quasiment les mêmes voitures, mais c'est un mode très structuré qui permet à la fois de jouer contre des amis ou contre des personnes de passage, qui fonctionne de façon tout simple, c'est-à-dire qu'on se retrouve à un carrefour donné par le jeu, et quand tout le monde est là, bah, ça démarre pour un challenge, enfin une série de 5 épreuves différentes, différentes épreuves d'ailleurs, une course simple, ça peut être également une course par équipe, ça peut être un concours de takedown, ça peut être le concours de celui qui saute le plus loin, celui qui va le plus vite sur un segment de route, voilà, il y a beaucoup de déclinaisons. On peut jouer contre des amis ou contre des gens de passage, mais c'est vrai que ça marche mieux avec des amis, déjà parce qu'il faut se retrouver, au même carrefour, il faut que tout le monde soit là. Donc s'il y a quelqu'un qui tire au flanc, on peut perdre là pas mal de temps. Et puis parce que c'est vraiment un mode de jeu où on se fait les pires crasses possibles. Par exemple, pour le concours de celui qui saute le plus loin, on peut s'amuser à faire des takedowns sur ses amis, et si c'est le cas, et ben, enfin, l'ami en question ne peut plus faire de saut, donc c'est gênant, il y a moyen qui s'énerve et qui quitte la partie. Ça marche assez bien. En plus, les points qu'on gagne dans ce mode multi font partie du même compteur que les points qu'on gagne en solo, ce qui permet de débloquer pas mal de choses. Toujours ce système de points à débloquer qui booste un peu notre envie de réaliser des prouesses. Ça marche assez bien, c'est quand même un peu bordélique parfois. Je l'ai dit, il faut y jouer avec des amis, sinon c'est encore pire. Mais c'est vrai que parfois on sait pas trop ce qu'on nous demande, on sait pas trop ce qu'il faut faire. Enfin, comme souvent avec des modes de jeu multi, il faut quelques parties pour bien se rendre compte des possibilités. Ce qui est sûr, c'est que c'est quand même relativement fun. Il y a un côté compétition qui est très très bien implémenté. Et c'est un bon complément au solo. C'est pas sûr que ça remplace le mode solo, mais c'est quelque chose qui est quand même relativement plaisant à jouer. On a vu Need for Speed Most Wanted est un jeu un peu à mi-chemin entre le Need for Speed et le Burnout. Typiquement, même s'il y a des flics, ils ont pas forcément. Enfin, c'est plus une gêne qu'autre chose, ce qui est relativement cohérent avec la série Need for Speed, mais il n'y a pas de scénario, il n'y a pas vraiment d'histoire. Et à côté de ça, c'est pas vraiment un Burnout non plus, parce que les takedowns, même s'ils sont présents, ils sont pas aussi présents que dans un Burnout. C'est pas le but principal du jeu. Les voitures peuvent s'abîmer, on peut crever ses pneus, on peut casser sa voiture, mais les dégâts n'ont rien à voir avec ce qu'on peut avoir dans un Burnout par exemple. Donc voilà, c'est vraiment un jeu qui a le cul entre deux chaises, mais qui est quand même très sympathique et qui est très amusant. Visuellement, il est réussi. Les voitures sont vraiment bien modélisées, la ville également. Il y a pas mal d'effets sympas, ainsi que le jour-nuit qui est toujours plaisant. Après, il y avait quelques soucis de framerate sur les versions qu'on a vues, que ce soit les versions console ou même la version PC, bon, qui était un peu antérieure dans son développement, mais on espère que ça aura disparu dans la version finale. Ce qui est sûr, c'est que c'est un jeu qu'on attend, parce qu'il a l'air vraiment, vraiment très amusant pour ceux qui aiment ce genre de jeu de voiture en open world, où on fait un peu ce qu'on veut, où il y a beaucoup de tentations. Et où on s'amuse tout simplement.